Bonjour à tous et à tous, ici Oxor, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur The Forest, parce que beaucoup de français disent The Forest, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est The Forest. Et on se retrouve donc directement après ce que j'ai fait, donc les pièges. Et là, je pense que je vais partir donc en balade. J'aimerais juste savoir où se trouve le soleil actuellement. À cause du brouillard, je ne sais pas. Donc conclusion, on va partir se balader un petit peu. Dans les endroits un petit peu de la map, hein, comme ça. On va partir à la chasse en même temps. Merde, j'avais du poisson, oui. Attendez, je vais faire vite cuire un poisson, comme ça au moins j'aurai bouffé. Avant de m'en aller. Donc c'est bien, notre piège, notre maison fonctionne bien. Je veux dire, on arrive à se protéger dedans. Ça de la survie pure. Par contre, j'espère que je l'ai plus allumé. Non, ça va, il était plus allumé. J'ai eu une frayeur pendant un moment de devoir passer là. Là, je me demande si c'est pas parce qu'il pleut. Hein, parce que comme il pleut... Enfin, le feu s'éteint plus vite quand il pleut dans le jeu. Donc oui, parce qu'ils ont mis ça en compte. C'est que s'il pleut... Donc là, actuellement, il pleut un petit peu apparemment. Pas beaucoup. On l'entend. On entend un peu le bruit de la pluie. Je pense que ça veut tout dire. Alors... Hop, voilà, j'ai mangé le poisson, je suis plein d'énergie, plein de calcium, plein de vitamines, c'est ma doctrine. Hop, c'est parti, on y va, on s'en va et on va chasser. Non, je déconne, on va pas chasser l'homme de Néandertal ou le carnival. Putain, Oxy, t'es un mec qui sait bien parler le français. Le cannibale. Ah bah il y a encore des petites baies ici. J'en profite, je les mange. Bah pourquoi ne pas en profiter alors qu'il y en a plein devant. Hop, ils me disent comme ça que je peux pas en avoir de plus. Foutez de ma gueule. Je les mange moi, je les garde pas. Donc, ici on a encore un endroit avec du poisson. Ça a pas l'air d'avoir vraiment de poisson, mais bon tant pis. Wouah! Ouais, ça c'est une zone buggée, vous pouvez voir, hein, je sais pas. C'était une zone un peu buggée, ça c'est une zone en fait où ce que le jeu nous considère comme si on serait dans l'eau alors qu'il n'y a pas vraiment d'eau. Donc en gros, on nage et tout. Ok. Et man, me fais pas les frères comme ça, hein. M'explique pourquoi il y a un totem ici en plein milieu de la forêt. J'arrive quand même pas sur un de leurs villages, rassurez-moi. Je sais bien qu'il y a une grotte normalement pas loin. Mais les grottes actuellement... Merde. Ok, ils m'ont vu. Merde! Il m'a foutu une tarte! Laissez-moi! Je veux juste me promener, putain! Et il me lâche pas, ceux-là! Ok. D'accord, j'ai compris en fait, je suis à côté du crash de l'avion, c'est pour ça qu'il y en a autant des mecs ici. J'ai compris maintenant, ils ont entendu le bruit, donc ils sont venus, et conclusion, bah... Et si je récupère les trucs électroniques là qu'il y a sur l'avion, ça se remet dedans ou pas? Ouais, non, ah si, ça s'est remis. Okay, apparemment, il y en a dans les arbres parce que je viens d'avoir un bruit et je les ai pas vus. Laine de survival, t'inquiète pas! Dégage! J'aime pas quand on perçoit.
Ouais, je sais, t'es pas mort. Merde, c'est qui m'attaque? Ouais, y'en a encore un, mais... Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, laissez-moi tranquille un petit peu. Bon, au moins, apparemment, le bug des one-shot a été plus ou moins réglé, j'ai l'impression, parce que j'ai reçu plein de coups, je me suis pas fait one-shot une seule fois, d'habitude, bon... Je suis rentré dans mon territoire, ils ont fait demi-tour, les mecs. Ça c'est magnifique, ça. Est-ce que je peux me balader tranquillement, s'il vous plaît? Bon, bah, je vais marcher sur la plage, alors, hein. Donc sur la plage, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Si vous regardez là-bas, je vois qu'il y a encore un totem. Il y en a même, je dirais, plusieurs en fait, des totems. Et il y a un mort aussi. Il y a un mort, il y a un totem, il y a de la boue, ça, par contre. Je prends avec grand plaisir. Là, je vois qu'il y a une tente, il y a peut-être... Putain, et... Ils ont fait la fête sans moi ici. Il y a des trucs pour me soigner. Je prends... Quoi? Et j'ai pas récupéré un truc pour me soigner là? Grande balle de tennis. Les balles de tennis qui ne servent à rien dans ce jeu, à part peut-être distraire les ennemis, peut-être, je dis bien, je ne suis pas sûr. Il y a un requin là, mais je pense pas qu'on peut lui faire quelque chose. Non, d'accord, c'est juste qu'il y avait de l'argent à côté. Je me dis, tiens, il y a une interaction, bah en fait, non, c'était de l'argent à côté. Donc, ok. Là, par contre, le brouillard, quoi. On a le bateau ici à côté, apparemment. Ah, c'est bien, s'il y a le bateau, c'est-à-dire qu'il y a non, des valises, donc qui dit valise dit peut-être de la médecine, parce que là, c'est actuellement mon principal truc que j'aurais besoin, c'est vraiment d'avoir besoin de médecine. Moi, des médecines. Mais non, pas une balle de tennis, c'est de la médecine. D'ailleurs, notre personnage, on peut remarquer, notre personnage n'a pas de tête. Je suppose que ça va être pour le truc Oculus Rift, hein, que s'ils font ça. Ils n'ont pas mis de tête à notre personnage, c'est pour l'Oculus Rift. Parce que le jeu va être disponible avec l'Oculus Rift, hein. Malheureusement je n'ai pas l'Oculus Rift actuellement. Le jeu Z4Rest en Oculus Rift, ça sera sans moi en attendant. Bon, c'est quand vous voulez pour me donner des médecines les gars. Je préfère regarder autour de moi parce que s'ils arrivent dans mon dos et que je me fais avoir, ça serait totalement con. Par contre, vas-y, démarre ce qu'on a entre. En veux-tu, en voilà. C'est le swag. Ok, médecine. Là, on vient d'en trouver. Là, on vient d'en trouver, je l'ai vu. Voilà. Magnifique. Hop. Encore une balle de tennis. Mais pas te faire foutre avec ta balle de tennis, putain. On en trouve des balles de tennis. Mais bon, on en trouve. Alors. Hop. Et encore une ici de valise. Voilà. Nickel, les deux balles de tennis là qui rebondissent, c'est magnifique cette toute beauté. Là-bas dans le recherche, je sais plus qu'il y a une grotte, mais bon pour le moment je vais pas vraiment. Dans cet épisode-ci je vais pas vraiment aller dans les grottes. Je vais plutôt essayer de trouver des. Je suis curieux à l'exploser. J'hésite à l'exploser. J'ai peur en fait. D'accord, il est bugué, c'est magnifique. Allez, encore des valises ici. Hop. Dégage la balle. J'ai envoyé à perpète la balle. Ah non, d'accord. Je croyais que je l'avais envoyé super loin. Putain, mais... Lâchez-moi. Quelle de merde là, la balle de tennis. Deux valises, deux balles de tennis. On continue? Non, on continue pas, d'accord. Commence à faire nuit, j'ai l'impression.
Ouais, il va falloir que je retourne à mon camp au plus vite possible. En tout cas, au moins, je récupère des trucs très pratiques. Là, je récupère de la bouffe. Hop. Merde. Je crois qu'ils retournent dans leur grotte. Je sais pas combien ils étaient, mais je préfère même pas le savoir en fait. Je vais passer à travers la forêt pour. Quand mon énergie est basse, quoi. Je vais passer à travers forêt pour rentrer à la base. Parce que comme la nuit tombe, j'ai peut-être évité. J'apprécie grandement de trouver toutes ces vitamines, voyez-vous. Je l'ai jamais trouvé ça par contre. Putain, j'en ai trouvé plein là des trucs pour me soigner, c'est bon ça. Tout il va commencer à faire nuit, c'est moins bon ça. Hop. On va continuer notre route à travers la forêt. Ça c'est horrible. Ok, non. Non, 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 les gars, les gars, les gars. Les gars, faites pas vos putes. Ok, on y est presque. J'essaie de leur montrer que je veux pas les agresser, mais... Courage fouillon, c'est exactement ce truc là. Lâche-moi. S'il vous plaît. Ah ah! Il a pris le feu de Dieu. D'ailleurs, je n'ai plus d'énergie, il va falloir que je dors. Hop, on va dormir. Comme ça, au moins, on aura dormi. Normal, la journée doit pas tarder à se lever, je pense. J'ai l'impression que la lune est encore là-bas. Hein. Encore dormir un coup, parce que putain... Même si c'est la full nuit. Laissez-moi dormir, s'il vous plaît. Il y a des hommes tout nus qui sont autour de ma cabane. Et ils sont toujours là en plus. Ah, mon piège s'est relevé. On a peut-être attrapé un. Genre, ça l'a pas embranché. Merde. J'aimerais bien dormir, les gars. Apparemment, regardez, mon énergie, elle est pas complète. En gros, ça veut dire que j'ai pas dormi entièrement. Pour que je dors. D'accord, apparemment, pour qu'on puisse donc avoir son énergie complète... Et je pense que sûrement que la nuit soit passée aussi. Sûrement dormir jusqu'à ce que son énergie soit remplie. Voilà. D'accord, la nuit est juste là-bas. Fichtre. J'ai l'impression que la nuit passe pas parce qu'il y a des indigènes autour de moi. Ce qui serait d'un côté. Il y en a deux là-bas. Oh, t'es moche. Oh, je préfère même pas savoir ils sont combien. Attendez, normalement je peux savoir en grimpant là-dessus.
Ok, il y en a un là. Il y en a un là-bas. Il y en a largement ce qu'il faut là. Putain, malheureusement là je peux pas faire grand chose à part rester protégé dans mon camp. Dors putain, s'il te plaît. Ouais non, mon personnage veut pas dormir. À cause des machins autour de lui quoi. Ce que je comprends totalement. Moi non plus je n'arriverai pas à dormir si j'aurais tout ça autour de moi. Ouais je sais que t'es là. Et oui. Approche. Y'a du feu. Voilà. T'es con comme un gnou mon gars. Bon, l'intelligence artificielle est assez intelligente, mais des fois elle est quand même assez conne aussi. D'ailleurs, on voit plus les feuilles d'ailleurs. Bon, j'ai 10 billets, c'est pas grave, mais. Bon, on va se faire chauffer un petit poisson. Je peux pas le faire chauffer, va te faire. Le jeu, il m'a dit qu'à ça. Non, va te faire foutre. J'essaie de poser un autre feu alors. Genre, j'ai pas assez pour. Alors lui. D'accord, ils ont totalement bugué tous les deux. C'est tellement de la beauté. On va éclairer celui-ci. Ok, mes deux pièges se sont activés, mais n'a pas l'air d'avoir embroché quelqu'un. Ils ont rien embroché mes pièges en fait. C'est de l'arnaque. Bon, est-ce que je peux au moins les tuer? Oui. Voilà. Au moins, il y en a déjà deux de morts. Parce que ouais, je vais pouvoir me faire donc un totem. Donc hop, un petit totem que je vais me faire. What? D'accord. Voler plus haut, c'est possible. Donc voilà, ça c'est les risques de bug malheureusement qu'ils risquent d'avoir durant la partie. Bon, bah au moins, vous pouvez voir un petit peu la. C'est chouette les têtes comme ça dans l'inventaire, je trouve. C'est très joli. Hop. Donc voilà, on peut voir là, il y a plein de passagers ici. On peut voir qu'ils les ont sacrément amochés. Non, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de faim, j'ai. Oh là là. Ralala. Voilà, 20. On va essayer d'en trouver le maximum. Même s'il y a de fortes risques que je meure dû à un bug, hein, mais bon. Qui dit mourir ne dit pas, je veux dire, si je meurs, c'est pas la fin de la série, c'est pas la fin du jeu. Je veux dire, pour moi, ça sera simplement, bah, je recommence une nouvelle vie. Et c'est tout. Parce que oui, la série, même si je crève, parce que c'est un jeu que j'apprécie énormément. C'est un jeu que vous allez sûrement avoir pas mal de fois sur la chaîne. Donc maintenant, comme je sais que ça a été réglé. Voilà. On a un genre de pistolet, mais en fait c'est un pistolet à fusée. Donc oui, au départ de base il était bugué, mais maintenant le bug a été réglé à ce qui paraît. Donc je vais vérifier ça tout de suite d'ailleurs. Ouais, il est réglé, nice. Parce qu'en fait le truc c'est qu'il nous jetait l'arme là. Il a le jeté par terre quand on reprenait notre. Putain, cette ambiance dans ces grottes. Donc oui, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé. C'est ma première mort en fait. La première mort quand on joue, on se fait pas réellement tuer, mais on se fait kidnapper en fait. C'est des singes! Ouais, j'espère que vous avez bien crevé, les gars. Putain. Je crois que ma batterie est en train de tomber à mort.
crève, putain, parce que tu respirais encore, toi. Je crois que la batterie est presque à hard, c'est pour ça que ça éclaire en rouge. Je suis pas sûr, mais... Ah, mon gars, je te laisserai pas... me tuer. Voilà. Hop, la lampe torche. Tiens. S'offrir de la grotte, quoi. C'est le truc... C'est le truc, la première fois quand t'as ça, c'est assez horrible. Parce que tu connais pas du tout la grotte. Tu sais pas du tout pouvoir aller. Mais bon, là actuellement... Mon objectif n'est pas de visiter la grotte, donc bon, on va pas la visiter, hein. Je vais juste... D'accord, j'ai débugué ces trucs-là. Juste regarder le maximum de corps possible pour avoir le maximum de passagers. Et je vais simplement m'enfuir, voilà. Donc vous allez avoir le petit truc là d'apparition devant nous. Pouf ! Voilà. Ah, parce qu'en fait, le truc, c'est que ça nous... Il y a toute la forêt, en fait, qui apparaît d'un coup. C'est assez spécial. Bon, au moins on n'est pas encore réellement mort. Je vais dire ça comme ça. On n'est pas encore mort de chez mort. On est à moitié. On a été à moitié mort. On va dire ça comme ça. Donc entre les pieds. Bah, en plus c'est mort à cause d'un bug quoi. C'est ça. Ça c'est le seul truc un peu dommage, c'est que la plupart des morts qu'on a dans le jeu, c'est dû à un bug en fait ou des trucs comme ça. Donc bon, ça va, malheureusement, il va falloir faire attention que si je meurs par un bug, bah tant pis, je meurs quoi. Bon, en tout cas, je me serai envolé tel Superman qui se sera envolé vers l'infini et vers l'au-delà. C'est ça qui était magique, mais bon. Et hop, j'y suis presque, et après, bah, ça sera la fin de l'épisode quand je serai retourné au campement. Parce que voilà. Et en tout cas, on avance bien, on survit pas mal je trouve pour le moment. Bon, je pense que je vais battre mon record de 4 jours de survie. Mon record actuellement est 4 jours de survie, mais bon, c'était avec ce qu'on n'avait pas en fait, comment j'ai expliqué ça. Parce qu'on n'avait pas les sauvegardes, donc bon, au bout d'un moment, on se déconnectait parce qu'on en avait marre. Pas marre, mais je veux dire dans le sens où ce que c'était... Il me faut encore deux têtes. Il n'y a pas de deux têtes ici quelque part. Dans un décor que j'aurais fait exploser, il n'y a pas une deuxième tête ou quelque chose dans le genre, non? C'est une impression où les valises se sont refermées à ma mort, d'accord. Très le swag. Bon, bah en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis bien évidemment à la prochaine. Et bien évidemment, à plus tard tout le monde. Allez, tchuss!